Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un problème précis. Comment être concurrent contre du gratuit? Ou plus largement, comment être concurrent contre des gens qui vendent un produit similaire au vôtre, mais moins cher? C'est pertinent si vous travaillez dans le milieu de la formation, dans le milieu du logiciel, ou même dans le milieu de la prestation. Vous pouvez facilement avoir des gens dans des pays à moindre coût qui vont vendre un service similaire au vôtre, mais à des prix qui sont inférieurs. Et si vous vous retrouvez pris dans ce piège infernal d'essayer d'être concurrent sur le prix avec du gratuit ou avec des solutions à bas coût, eh bien vous allez vous retrouver constamment à baisser vos prix, à baisser vos marges, à baisser vos profits, et ce n'est pas quelque chose qui est tenable en termes de stratégie marketing. Donc la solution, bien sûr, c'est de positionner votre produit de façon à créer de la valeur qui est supérieure à ce qu'on peut avoir dans les options gratuites. Mais tout ça, bien sûr, c'est plus facile à dire qu'à faire. Alors, rien de vous un bon exemple. Dans cette vidéo, on va parler de comment un génie du marketing a réussi à convaincre l'Amérique de payer 1000 fois plus cher pour un produit qui est disponible partout, presque gratuitement. Et en plus, c'est un produit français. Notre histoire commence en 1976 et l'entreprise française Perrier a décidé de s'attaquer au marché américain. Tout de suite, il rencontre un problème marketing majeur qui est comment est-ce que vous allez convaincre les gens à payer pour de l'eau en bouteille quand à l'époque, acheter de l'eau en bouteille, ça paraît débile à tout le monde puisque l'eau, elle est disponible partout gratuitement au robinet. Et d'ailleurs, le célèbre cabinet de conseil en stratégie McKinsey avait dès le départ annoncé à Perrier que son plan était absurde et que le projet de vendre de l'eau en bouteille aux Américains n'était pas viable. Mais c'était sans compter le marketeur que Perrier a engagé aux États-Unis, qui s'appelle Bruce Nevins. Bruce Nevins a directement compris que le défi qui lui faisait face, c'est de renforcer la valeur intangible de la marque Perrier. Il faut savoir qu'une petite bouteille de Perrier était vendue à l'époque, ce qui équivaut aujourd'hui à entre 2,40 € et 3,80 €. C'est-à-dire que c'est pas donné, c'est une dépense quand même conséquente quand vous pensez que l'eau, c'est d'habitude gratuit. Et encore une fois, à l'époque, les Américains n'avaient pas l'habitude d'acheter de l'eau en bouteille, puisque c'est Perrier qui a été le pionnier de l'eau en bouteille. Et une chose qui est sûre, c'est que Nevins a vraiment réussi sa mission, puisque de façon très mesurable, les ventes de Perrier aux États-Unis qui s'élevaient à 2,5 millions de bouteilles en 1975 passent à 75 millions 3 ans plus tard, soit x30 quand même en 3 ans. Et sur les 10 années à venir, vont encore se multiplier par 4 pour arriver à 300 millions de bouteilles. Alors comment est-ce que Perrier a convaincu les Américains de payer pour avoir de l'eau en bouteille? Une chose est sûre, c'est que ce n'est pas grâce au goût supérieur de Perrier. Parce que dans une interview que Nevins avait fait à la radio à Los Angeles dans les années 80, on lui avait fait goûter différents types d'eau pétillante et il avait été incapable de déterminer laquelle était Perrier. Et Nevins lui-même va admettre à l'antenne que Perrier n'a pas un goût supérieur. Alors si le boss de Perrier aux États-Unis n'est pas capable de différencier son goût, on peut imaginer que le consommateur moyen n'est pas non plus capable de le différencier. Et pourtant, il continue à acheter à un prix premium. Pourquoi ? Un élément de réponse se trouve dans cette pub qu'on va regarder ensemble maintenant. Deep below the plains of southern France, in a mysterious process begun millions of years ago, nature herself adds life to the icy waters of a single spring, Perrier. Its natural sparkle is more delicate than any made by man, and therefore more quenching, more refreshing, and the mixer par excellence, naturally sparkling. La première chose que vous remarquez, c'est que Perrier est positionné comme un produit chic, comme un produit de luxe, comme un produit qui va vous conférer du statut. Et c'est un petit peu une forme de judo mental, puisqu'à partir du moment où Perrier est positionné comme un produit de luxe, comme un produit chic, plus c'est cher, plus ça vous confère du statut. Et donc dans ce contexte, le fait que le produit soit plus cher est un avantage, pas un inconvénient. La deuxième chose, c'est très simple, c'est qu'on joue la carte du français. Tous d'entre vous qui ont passé du temps à l'étranger savent que les Américains ont une image très stéréotypée du français. Et clairement ici, Nevins s'en sert pour renforcer l'image de Perrier comme un produit chic et raffiné. Troisième élément, c'est le snobisme. Et encore une fois ici, on transforme ce qui pourrait être un inconvénient en un avantage. En l'occurrence, l'inconvénient, c'est qu'on vend de l'eau, donc ça n'a pas beaucoup de goût par rapport à d'autres boissons qu'on peut acheter à un prix comparable. Mais vous allez voir comment Nevins transforme ce désavantage en un avantage et en une marque de raffinement. Le goût de Perrier est frais et propre. Si les gens cherchent une bouffée de saveur, comme ils y ont été conditionnés depuis le plus jeune âge, dans la nourriture pour bébé, les céréales bourrées de sucre et les sodas, ils ne vont pas l'obtenir
avec Perrier. Quatrièmement, on a l'importance de l'emballage, et en l'occurrence de la bouteille. Puisque si vous voulez qu'une boisson confère du statut aux gens qui sont en train de la boire, si vous voulez que votre client puisse communiquer l'idée qu'il est raffiné, qu'il est chic, qu'il est sophistiqué en buvant votre produit, eh bien il faut que les gens qui voient votre client consommer le produit sachent qu'il est en train de consommer votre produit. Et c'est là qu'intervient la forme particulière de la bouteille de Perrier. Et si vous vous souvenez tout à l'heure, je vous avais dit que Nevins avait été pris en embuscade sur une émission de radio à Los Angeles en 86, et on lui avait fait goûter différents échantillons d'eau pétillante, et il n'avait pas été capable de déterminer lequel était du Perrier. Eh bien, il s'était très bien tiré de cette situation difficile parce qu'il avait, dès le départ, établi que ce qui était important dans le Perrier, ce n'était pas le contenu, mais c'était l'expérience globale, y compris la bouteille. Voici la citation qu'il a donnée à l'antenne à ce moment-là. Il est difficile de différencier l'eau pétillante standard du Perrier et du Club Soda. Mais dans un restaurant, on ne vous apporte pas juste un verre d'eau, on vous apporte une bouteille. En tant que consommateur, vous réagissez à la forme de cette bouteille, à la sensation dans votre main, au design de l'étiquette. Ça apporte quelque chose, un panache. Ça devient quelque chose avec lequel vous pouvez vous identifier. Cinquièmement, le principe d'association. Dès le départ, Perrier a cherché à s'associer à l'idée de bien-être. Et en particulier, ils ont cherché à s'associer au renouveau de la fitness qui avait lieu dans les années 70 aux États-Unis et très précisément à la course à pied. Et pour ça, ils ont utilisé la méthode bien connue du sponsoring, où ils ont sponsorisé entre autres le marathon de New York en 97. Et pour vous donner un exemple plus franco-français, ils ont sponsorisé pendant des années Roland Garros. Perrier, le geste naturel de la soif. Le dernier élément, et pas des moindres, qui permet à Perrier de se différencier face au gratuit, c'est l'aspect pratique. Et ça, c'est vrai en particulier pour les très nombreuses marques de bouteilles d'eau qui sont venues après, puisque la plupart du temps, quand vous achetez une bouteille d'eau, ce n'est pas parce que vous ne voulez pas boire l'eau du robinet, c'est parce que vous êtes en déplacement d'un point A à un point B, et vous avez besoin de pouvoir transporter cette eau. Ou alors vous êtes au Vietnam et vous allez mourir si vous buvez l'eau du robinet. Alors, quelle leçon est-ce que vous pouvez tirer dans votre business de cet exemple de Perrier? La première chose, à mon avis, à en retenir, c'est que Perrier se différencie grâce à une valeur intangible et que ce serait une erreur de conclure que c'est une arnaque. Parce qu'au final, si un acheteur tire de la valeur de sa consommation de votre produit ou de votre service, est-ce que c'est important de savoir si la valeur qui est créée vient des atomes ou est-ce qu'elle vient de l'expérience globale? Et donc, quand vous créez une perception particulière autour de votre produit, eh bien, vous créez de la valeur perçue pour votre prospect. Et cette valeur est réelle dans le sens où les gens la ressentent. Donc, on va conclure avec trois leçons. Premièrement, la valeur perçue est ce qui compte avant tout. Deuxièmement, le cerveau humain fonctionne par association. Dans le milieu du marketing traditionnel, ça se fait beaucoup en sponsorisant des événements. Et on a vu ensemble que Perrier a sponsorisé beaucoup d'événements sportifs pour s'associer avec l'idée de la santé physique. Mais même si vous n'avez pas de budget pour sponsoriser des événements, vous pouvez vous associer à des gens, des entreprises, des sites qui ont déjà la confiance et qui ont déjà l'attention de votre marché cible. Pour vous donner un exemple très simple, la meilleure façon pour moi aujourd'hui de gagner des abonnés sur la chaîne YouTube Marketing Mania, et vous devriez d'ailleurs vous abonner tout de suite, c'est de faire des collaborations avec d'autres YouTubeurs et d'apparaître sur leur chaîne. Puisqu'à partir du moment où j'apparais sur un écran avec quelqu'un qui a déjà votre attention et qui a déjà votre confiance, eh bien votre cerveau va automatiquement transférer vers moi une partie de cette attention et une partie de cette confiance. Troisièmement, les gens sont prêts à payer beaucoup plus pour une solution plus pratique. Ici, on a bien sûr l'exemple d'une bouteille d'eau que vous pouvez transporter avec vous. Mais l'idée que les gens paieront pour une meilleure expérience utilisateur ou pour quelque chose de plus pratique se retrouve partout. Pensez à Uber, pensez à Airbnb ou pensez par exemple dans le milieu de la prestation aux services qui sont faits pour vous. Je vais vous donner un exemple précis, celui du site WP Curve qui fait du support WordPress. Vous pourriez avoir une solution moins chère au problème du support WordPress en engageant un développeur philippin sur un site de freelance du type Upwork. Mais le fait d'avoir une solution intégrée comme WP Curve vous fait gagner du temps, c'est plus pratique et ça vous donne une liberté d'esprit. Et les gens sont très nombreux à vouloir payer pour ça. Et le dernier exemple que je vais vous donner et qui est potentiellement le plus évident, celui des formations. Si aujourd'hui vous vendez une formation sur le web, il est peu probable que vous ayez inventé votre méthodologie à partir de zéro. C'est-à-dire que si
un prospect cible voulait passer des heures et des heures de sa vie à creuser sur le web, il pourrait trouver les mêmes informations de façon gratuite autre part. Et donc la valeur d'une formation, ce n'est pas que les informations qui sont à l'intérieur sont exclusives. La valeur de la formation se trouve dans le fait que vous avez sélectionné, organisé, expliqué, centralisé les informations et que vous allez éviter à votre prospect de tourner en rond pendant des jours, des semaines, des mois, des années de sa vie pour trouver la bonne solution. Pour terminer cette vidéo, je voudrais remercier le site Priceonomics.com qui a écrit un article sur l'arrivée de Payer aux États-Unis et qui m'a donné l'idée de faire cette vidéo. Si vous voulez aller voir l'article complet, je vous aurai mis le lien dans la description de cette vidéo. Si ce type de vidéo vous plaît, n'oubliez pas de me laisser un like. Et si vous avez vraiment, vraiment aimé et que vous pensez que cette vidéo peut aider quelqu'un dans votre réseau, partagez-la avec cette personne. Et bien sûr, avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur le bouton qui se trouve à ma droite. Et si vous voulez créer un site web plus efficace, plus persuasif, j'ai créé un guide complet qui vous attend en dessous. C'est le guide ultime du site web persuasif. C'est gratuit, c'est sans opt-in obligatoire. Vous pouvez le trouver en cliquant sur le bouton qui se trouve en dessous de moi. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout et je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.